ma vie. Il est 4h07. Je suis fatiguée. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va aller à Paris. Faut que dans une heure et demie, on soit prête. Wesh, il y a mon pied. Faut que dans une heure et demie, on soit prête. Parce que on va prendre le bus. Et on a 2h30 de bus. Ça nous fait arriver à 8h à Paname. Big up au resta. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi pour la journée à Paris. On se retrouve dans le bus. On cherche nos places. Trop froid. Là, le bus va partir dans quelques minutes. Du coup, on se retrouve dans 2h30. Il sera 8h30. 8h30. Oui, il sera 8h30. À Paris. Bisous. Ok, guys, on est arrivé à Paris. Ça va être trop bien. On va aller prendre le métro. Première étape de la journée. Savoir prendre le métro. Ça me dit que... Mais je sais prendre le métro, je débilos. Débilos. Pour atteindre les Champs-Élysées. Elle fait trop la meuf. Elle fait trop la meuf. En fait, j'avais pas compris. On prend une autre ligne de métro là. C'est la dernière, je vous jure, c'est la dernière. Après, on va enfin arriver sur les Champs-Élysées. Du coup, on a trouvé l'avenue des Champs-Élysées. On s'est posé dans un café. Et en fait, on a fini. Du coup, je vous mettrai quelques petites pictures. Et puis voilà, on va aller voir l'Arc de Triomphe. Et après, direction le Louvre. Voilà. Du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti! C'est parti, go to musée du Louvre. Yes! On va aller voir la Joconde. On est enfin arrivé, c'est trop beau. Wow. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais. Il est 11h38, on est posé au musée du Louvre. On va grignoter et puis on va continuer la visite. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller. Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. 2 hours later. Time around.
Du coup, il est 16h22, on vient tout juste de sortir du musée des arts décoratifs. On a fait des photos. On est à McDo avec Mimi. On a fini de prendre des forces à McDo. Du coup, là, on va aller au pont des arts. Le petit pont des cadenas, là. On va aller déposer un petit cadenas. C'est trop mignon avec Mimi. On est arrivé au pont des arts. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. On a déposé notre cadenas et on va aller prendre le train. On est dans le train, il y a encore des galères. Tout le monde est debout, il n'y a plus de place. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que ça fait 6 heures on est dans le train. C'est n'importe quoi. Je suis fatiguée, je suis KO. On est KO. Il nous reste 40 minutes de train. Il est 21h et quelques. Notre vie est géniale, on se lève à 4h, on se couche à minuit. Oh putain! Je vous jure que lui, je fais ma rave. Il m'énerve. Ça fait depuis qu'on est parti de Paris, il arrête pas de parler, mais genre, déjà on est dans un vieux train, les gars. S'il vous plaît, un train des années 1970, à quel moment? En plus, les haut-parleurs, ils défoncent les oreilles. Tu peux pas dormir, tu te réveilles toutes les 5 minutes. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Bisous. 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 Bisous.